Bonjour et bienvenue dans Recette Roulette. La recette du jour est... gâteau aux pommes facile. Il nous faut 4 pommes, 225 g de sucre, 125 g de farine, 3 œufs, un demi-verre d'huile, un demi-paquet de levure chimique et un sachet de sucre vanillé. Alors, première étape, on va mettre le four à préchauffer à 160 degrés. Deuxième étape, on va s'occuper des pommes. On va maintenant découper la pomme. On peut la couper en morceaux grossiers ou en tout petits dés. Moi, j'ai choisi de la tailler en petits dés. Le plus dur est fait, couper toutes les pommes en morceaux et ne pas toutes les manger. On va maintenant préparer la pâte. Pour ça, rien de plus facile, il suffit de tout mélanger. On va mettre la farine. On ajoute la levure. On mélange. On ajoute les sucres, donc le sucre vanillé, le sucre blanc. On remue. On ajoute ensuite les œufs et l'huile. On mélange du centre vers le bord pour incorporer petit à petit la farine. Et on ajoute enfin les pommes. D'avoir coupé les pommes en petits dés comme ça, ça fait que quand ça va cuire, en fait, les petits dés vont ressortir sur le dessus, ça sera tout doré, ça sera magnifique. Allez, on incorpore la pomme. Il n'y a plus qu'à mettre dans un moule et à mettre au four. Je huile légèrement le moule. Et je n'ai plus qu'à verser la pâte. Et bien, c'est 40 à 50 minutes qu'il faudra patienter avant de retrouver notre gâteau aux pommes. À vous, il a l'air terrible. Je te mets au défi de ne pas le réaliser dans la demi-heure qui suit. Bon allez, dis-moi dans les commentaires combien de temps t'as résisté. Toi qui adores croquer la vie à pleines dents, clique ici pour retrouver une autre recette à base de pommes. Ta mission, si tu l'acceptes, être là demain 11h pour la nouvelle recette. Et si tu ne veux pas en rater une miette, abonne-toi à la chaîne Marmiton. Bon, taisez-vous là, ça suffit. Hein. Bref, j'ai 2 ans. On y va? Bonjour et bienvenue... Bonjour la table, bienvenue, sois la bienvenue dans Recette Roulette.